Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale. Oh là là, l'intro ringarde. Alors pourquoi je dis que c'est une vidéo un peu spéciale? Eh bien déjà parce qu'elle n'est pas préparée, je n'ai pas de texte, mais aussi parce que je vais répondre à la question que vous vous posez peut-être, mais en fait certainement pas du tout, pourquoi il y a moins de vidéos sur ma chaîne actuellement? La réponse à cette question, en fait, elle est toute bête. Je suis actuellement en stage de fin d'études. Actuellement, je finis mes études d'ingé, et généralement, quand on finit ses études, il y a un stage de, généralement, c'est 6 mois à faire pour valider comme quoi t'as fait des expériences en entreprise. Et c'est ce que je fais actuellement depuis fin février, voilà, jusqu'à fin août. Je suis en stage. Le problème, c'est qu'un stage, ça prend beaucoup de temps. Oui, parce que les mois précédents et les années précédentes, quand j'étais encore en école, j'avais vraiment beaucoup de temps à consacrer à ma chaîne YouTube. Je pouvais y consacrer au moins le week-end, plus une voire deux journées complètes par semaine, plus les soirées, donc j'avais beaucoup de temps. Et maintenant, depuis que je suis en stage, c'est un peu plus compliqué. Déjà parce que je passe 5 jours par semaine à bosser, donc je n'ai plus que le week-end de vraiment libre. Mais aussi, vu que je suis quand même en études de sécurité et technologie informatique, je passe toute ma journée sur un ordi. Et généralement, quand je rentre, déjà c'est tard, mais en plus de ça, j'ai pas envie de me refoutre devant mon ordi pour faire du montage ou ce genre de choses. J'ai envie de faire autre chose. Et c'est pareil pour le week-end, j'ai envie de faire autre chose que passer ma vie dans un écran. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de lire, j'ai envie de faire plein de choses. Et du coup, j'ai un peu moins de temps à consacrer à la chaîne YouTube. Donc déjà, matériellement, j'ai moins de temps à allouer aux vidéos, mais aussi je passe plus de temps à les faire parce que je les travaille plus. J'espère que ça vous a pas trop échappé, hein, les deux dernières vidéos, là, la grosse vidéo de 50 minutes que j'ai scindée en deux, elle a été bien plus travaillée que les précédentes. Peut-être pas au niveau de la mise en scène, mais en tout cas au niveau de l'écriture, des recherches, c'était quand même un autre level. Sauf que tout ça, évidemment, ça prend du temps. Hein. Ça prend plus de temps à l'écriture, parce que déjà, ça prend du temps à la recherche, vu que j'essaye de recouper au maximum les informations pour éviter de dire trop de conneries. Ensuite, je prends du temps à bien écrire et à bien faire relire mon texte pour éviter, encore une fois, de dire trop de conneries sur mes conneries. Puis ensuite vient le tournage, où là je suis encore actuellement chez mes parents, du coup je peux pas tourner correctement les week-ends vu qu'il y a du monde à la maison, du coup je suis obligé de prendre des journées de congé pour pouvoir tourner complètement et ça prend du temps. Ensuite il y a la voix off qui là va assez vite parce que je peux le scinder assez facilement, c'est-à-dire je peux faire une demi-heure un soir et une demi-heure un autre soir, il y aura pas trop de problèmes pour la vidéo, donc je peux le faire et ça va assez vite. Puis enfin, il y a le montage, où là, ça me prend un temps monstrueux parce que je suis pas du tout à l'aise avec cet exercice et j'arrive pas à faire rapidement ce que je veux faire. Le montage, c'est vraiment une partie qui me prend longtemps parce que je n'ai pas les compétences techniques, mais aussi parce que ça me saoule très vite. Regarder 30, 40 fois la même vidéo, au bout d'un moment, je vois plus rien et j'ai envie de faire autre chose. Donc généralement, mes sessions de montage sont assez courtes, mais j'essaye d'en faire un maximum quand même pour aller le plus vite possible. Donc forcément, vous combinez le « j'ai besoin de plus de temps pour créer une vidéo » et en même temps « je n'ai moins de temps à allouer pour créer des vidéos », forcément, il y en a moins qui arrivent sur cette chaîne. Ce qui m'emmerde, moi j'aimerais bien sortir des vidéos de 25 minutes sur des sujets hyper travaillés toutes les semaines. Ça serait super, j'ai plein de sujets dans les cartons, mais malheureusement, c'est pas possible. En plus, le choix personnel que j'ai fait de faire des vidéos plus longues mais qui mettent plus de temps à faire et qui donc sortent moins souvent, c'est clairement pas un bon choix sur YouTube. YouTube, on sait à peu près comment ça marche maintenant. Si vous voulez avoir de la visibilité, il faut faire des vidéos régulières, c'est-à-dire au moins une à deux fois par semaine, avec un watch time conséquent. Le truc, c'est que je fais vraiment tout le contraire de ce qu'il faut faire, et que forcément, ça a des répercussions sur les statistiques de ma chaîne. Donc déjà, je perds des abonnés, mais en plus de ça, mes vidéos sont bien moins vues qu'avant. Avant la pause d'environ un petit mois, un mois et demi que j'ai faite pour pouvoir faire la grosse vidéo sur Après la loi de Moore, j'avais environ 1000 vues par jour, et là, aujourd'hui, je n'ai plus que maximum 300 vues par jour. Et d'ailleurs, cette grosse vidéo, elle a fait 5000 vues en cumulé sur ces deux parties. C'est que dalle! C'est vraiment que dalle, surtout par rapport au temps que j'ai investi dedans. Alors par contre, un truc que je répète, mais que je vais répéter sans doute encore, je ne fais pas ça pour percer sur YouTube. Percer sur YouTube, actuellement, c'est devenu beaucoup trop compliqué. Déjà, je suis un dinosaure, hein, ma chaîne, elle a 6 ans, un truc comme ça maintenant, presque 6 ans, je crois. Et en plus de ça, maintenant, quand on veut arriver à faire quelque chose sur YouTube, il faut une production irréprochable, il faut un network, enfin quelqu'un qui va t'assurer d'avoir des sponsors parce qu'on ne peut pas vivre de ça, juste des pubs. Il faut que tes vidéos, elles soient irréprochables dès la première vidéo, il faut qu'elles rentrent dans les carcans de ce qui marche sur YouTube. Il y a énormément de contraintes si on veut percer sur YouTube, donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de m'infliger. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je n'ai pas envie de percer sur YouTube, mais je n'ai pas non plus envie de parler dans le vide. Et ça, c'est important. Déjà, quand tu passes 3 semaines, 1 mois, voire plus sur une vidéo, et qu'à la fin, quand elle sort, elle fait 200 vues sur
t'es plus de 10 000 abonnés, bah t'as pas envie d'en refaire en fait. Ça donne pas envie. Ok, je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour la fame, tout ça. Mais je fais pas ça pour parler dans le vide non plus. Parce que, ben, comme tout être humain, je trouve ça désagréable de parler pour rien. C'est tout. Et en plus de ça, faire une vidéo, pour moi, ça devient de plus en plus compliqué, parce que j'ai du mal à rester accroché quand la production d'une vidéo, elle prend 4 semaines. Au bout d'un moment, je sature, j'ai envie de passer à autre chose. Mais il faut quand même finir la vidéo. Et c'est là que ça devient compliqué. Enfin voilà, vous avez les explications de, du coup, pourquoi il y a moins de vidéos sur ma chaîne, mais malheureusement, ça implique aussi 2-3 autres trucs. Notamment, à propos des vidéos sur Star Citizen. Je ne pense pas que ça soit encore pertinent que je fasse des vidéos sur Star Citizen. Les vidéos que j'ai commencé à faire et que je vais continuer à faire dans cette voie, ce sont des vidéos de fond. Ce sont des vidéos sur des sujets qui sont pas forcément frontaux, pas forcément à la mode, et surtout qui nécessitent de réfléchir, et qui ont pas forcément de bonnes réponses. Ça pose des questions, mais il n'y a pas souvent, en tout cas très souvent, il n'y a pas de bonnes réponses. Il n'y a que des avis sur des sujets subjectifs. Et moi j'aime bien parler ça. J'aimerais d'ailleurs pousser ça dans le futur sous la forme de débat live, mais il faudrait que j'ai la fibre. Ce qui n'est pas encore le cas et ce qui ne sera pas le cas avant au moins les 6 prochains mois. Donc voilà, je pense pas que ce soit super pertinent de continuer à faire des vidéos sur Star Citizen, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos de mieux en mieux d'ailleurs, et j'ai l'impression d'être déjà minoritaire sur ma façon d'aborder les choses, et si en plus je suis minoritaire dans une minorité, ben j'ai pas trop envie de faire des gros machins pour 10 personnes en fait. Et en plus de ça, j'arrête pas de m'éparpiller, ce qui est une mauvaise idée pour essayer de garder les gens accrochés à ce qu'on fait. Je veux dire, j'ai lancé une série de vulgarisations sur l'informatique dernièrement, il y a les éditos, il y a les qu'est-ce que c'est que j'aimerais bien reprendre, il y a les vidéos sur Star Citizen, il y a les vidéos de lore sur Star Citizen, j'ai plein de types de vidéos, j'avais les Doctor Who, et j'aimerais encore en rajouter par-dessus ça. Je pense que vous l'avez compris, dans ma vie j'apprécie vraiment deux grosses choses. L'informatique et la pop culture. Ça ne tiendrait qu'à moi, ma chaîne YouTube elle parlerait de livres, de BD, de mangas, de films, d'animations, de séries, de développement logiciel, parce que c'est ce que je voudrais faire. Bref, ça parlerait de vraiment de plein de choses, et effectivement ça ne tient qu'à moi, mais en même temps je sais pertinemment que si je parle de tout ça sur ma chaîne, bah ça va être le bordel et personne va accrocher à ce que je fais. Je vais lancer des trucs que je finirai jamais, tout le temps. Je mets trop longtemps à faire des vidéos, du coup forcément les gens seront encore moins accrochés. Donc oui, percer sur YouTube, je m'en fous, mais comme je l'ai dit, j'ai pas envie de parler dans le vide. Et ça m'énerve, j'aimerais vraiment parler de tout ça. Et je sais pas si les gens sont prêts, et pour moi il faudrait que je me recentre sur quelque chose, mais en même temps se recentrer, ça veut dire aussi se limiter, ce qui est pas bon. Vous l'aurez compris, c'est complètement confus, déjà parce que j'ai du mal à m'exprimer quand j'ai pas un texte, mais aussi... bah parce que je suis complètement paumé. Est-ce que je devrais continuer les vidéos sur Star Citizen? En sachant que si je continue, ça sera genre 2, 3, 4 vidéos au maximum d'ici la fin de l'année, donc vraiment pas beaucoup. Est-ce que je pourrais parler d'autres choses, notamment les livres? Vous en avez vu, j'en ai plein là, et c'est que la partie émergée de l'iceberg. Je lis vraiment beaucoup et il y a plein de choses intéressantes à dire. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que selon vous est pertinent? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que vous voudriez voir me faire faire d'autres choses? En sachant que jusqu'à la fin du stage, je vais au moins continuer dans la direction actuelle qui me fait bien plus plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des grosses vidéos qui arrivent, le truc c'est que je sais du coup pas quand elles vont sortir. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui va arriver est une grosse vidéo de test, le truc c'est que je sais pas quand elle va arriver parce que j'ai encore rien tourné, du coup je pense qu'elle arrivera plutôt genre mi-fin juin, mi-juin minimum, fin juin maximum. Enfin voilà, c'était juste une vidéo pour vous dire que non, je n'arrête pas d'en faire, je continue, ça me donne toujours autant envie, c'est juste que je prends un peu plus de temps pour les faire. J'espère que vous avez réussi à comprendre ce que je voulais dire, hein, parce que déjà que c'était confus pour moi, j'ose pas imaginer pour vous. Dans tous les cas, je vous retrouve normalement dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo qui devrait avoir un petit peu de mise en scène. Allez, j'en dis pas plus, salut à tous, portez-vous bien.